Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour deux bugs, donc je vais vous montrer deux bugs qui se situent au commissariat. Donc ce commissariat là, il est ici, juste ici, voilà. Donc je remonte, voilà. Donc dès que vous êtes vers le commissariat, vous allez derrière, il y a une porte qui s'ouvrira. Normalement vous prenez un véhicule comme ça, avec le toit assez haut, vous montez sur le véhicule, enfin vous le collez dessus et vous montez sur le véhicule et vous faites carré là en avant. Normalement ça vous fait rentrer dans le mur. Donc pour sortir vous sautez là et normalement on peut tirer à travers bah, le mur du coup. Donc je vais vous montrer le deuxième bug. Donc faut retourner au commissariat. Donc il est où? Ah, il est là. Donc, si je me souviens bien, vous allez juste derrière. Voilà, vous allez ici. Vous mettez comme ça, hop. Vous mettez comme ça. Devant le mur. Vous prenez le téléphone et normalement vous avez l'activité générale. Vous lancez l'activité générale et dès que vous êtes arrivé dessus, vous la quittez. Voilà, quittez. Et normalement ça va vous mettre dans le commissariat. Donc voilà. Donc je vais vous faire une petite comment dire, une petite visite. Donc ici c'est le bureau, voilà. Ici bah, c'est la salle d'attente avec le bureau. Ici il y a quoi? Voilà. On va commencer par là. Donc ici c'est où qui range les armes. Voilà. Ouais c'est ouais si c'est ici qui range les armes. Là il y a quoi? Donc dans le monde il y a tout en haut. Et je crois pas que. Donc je pense pas qu'on peut aller sur le toit, mais je sais pas, on va essayer. Non. Et non, dommage. Ça serait bien, mais tant pis. Donc on va retourner en bas. Donc voilà, la cage d'escalier, elle est sympa. C'est bien réalisé. C'est bien qu'il ait mis. Enfin, je pense que c'était exprès le bug. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, à l'intérieur, il est bien réalisé. Donc voilà. Vous allez ici. Donc on va visiter quoi d'autre? Là. Ah voilà. Ici, c'est les vestiaires. Voilà. Là, il n'y a rien. Donc, bah, c'est les vestiaires pour les flics quand ils se changent. Donc on va sortir. Donc maintenant, je vais vous montrer. Ah voilà. C'est ici, ben, il y a le vidéoprojecteur, il y a la télé, je sais pas trop c'est quoi comme salle. Maintenant on va aller descendre l'escalier, donc je vais vous montrer ce qu'il y a en dessous. Donc là il n'y a rien, là il n'y a rien, là il n'y a rien. Donc vous continuez. Donc là il y a le poste de garde pour quand il y a des prisonniers dans les cellules. Donc je vais vous montrer. Là. Cellule numéro 1, donc c'est vraiment bien fait. Il y a les toilettes, il y a le robinet, il y a le banc et puis il y a le deuil. Donc là c'est pareil, là c'est pareil. Là on peut passer aussi. Là, donc bah c'est fini, il n'y a plus rien du tout. Donc je vais vous montrer qu'on peut tirer à travers les fenêtres, je crois, parce que j'avais essayé une fois. Et ça les avait tués à travers la fenêtre. Donc on va essayer. Non, merde, c'est pas là. Voilà. Et normalement, on peut. Ah. Ouais, normalement, on peut. Regardez.
Je sais pas comment vous montrer. On voit bien que ça tire, regardez dehors. Il y a des petites marques au sol. On pense que ça tire pas à travers les vitres parce que ça fait des éclats de verre sur les vitres, mais si, en fin de compte, regardez. Hop, hop. Ça va jusqu'à où? Regardez, ça va jusqu'à là-bas. Je sais pas si vous voyez, si vous regardez. Ça va jusqu'à là-bas. Donc voilà. Comme quoi on peut tirer à travers les fenêtres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos. Ciao!